La Gemara, on est toujours dans Shlosha Shachou, Daf Memé Amoudbet. La Gemara, elle dit, Amar Rava, on est 5 ou 6 lignes avant le virage, en bas. Amar Rava, Rava a dit, Aïm ilta, voici la chose, Amarita Ana, que j'ai dit moi-même, Veitmara, Veitamra Mishmed Rabzera Kavate. Et elle a été dite, au nom de Rabbi Zira, dans mon sens à moi. Autrement dit, Rava de dire qu'il a dit quelque chose que Rabbi Zira, il a été d'accord d'aller dans le même sens. C'est quoi, deux points vrais d'équipe? Shlosha Sheach Luke Ahad, que si trois ils ont mangé ensemble, Ehad Mafsik le Shnaï, Ven Shnaï Mafsikim le Ehad. Un, il s'interrompt pour répondre aux imounes de deux. Par exemple, lorsque deux doivent partir, mais pas deux, ils s'arrêtent pour un. Autrement dit, si tu dois partir, les autres, ils ne s'arrêtent pas. La Gemara demande, voilà que, pourtant, Rav Papa s'était interrompu pour pour Abba Mar Bere, lui, Rav Papa avait hadé quelqu'un d'autre. Autrement dit, on voit que Rav Papa, il s'est arrêté. La Gemara, elle dit, Shane Rav Papa, c'est différent Rav Papa, Delifnim Mishurat Adin ou de Avad. C'est qu'il n'a pas agi d'après la stricte loi, mais au-delà de la stricte loi. Autrement dit, il a agi, mais pas parce que c'était obligatoire, mais c'était permis. Il en ressort pour l'instant de la Gemara. Première chose qu'on apprend, c'est que deux doivent, enfin, ont le droit et le... Pardon, on va dire comme ça. Quand un n'a pas terminé, deux peuvent faire les imounes, le troisième est obligé de s'arrêter. Quand un veut partir et deux n'ont pas encore terminé, ils ont le droit, mais pas l'obligation de s'interrompre pour répondre aux imounes. C'est ce qu'on apprend dans la Gemara. Voyons le Rashi Kadosh. Il est marqué, on est beaucoup plus de lignes plus haut, il est marqué Ehad Mafsik Leshnaï. Oui. Il est marqué Ehad Mafsik Leshnaï. Im Gameru Ashnaim Si'audatam. Si ont terminé deux, donc si deux ont terminé leur repas, Verotzim Nezamen, et qu'ils veulent faire le Zimun, Derech Eretz Ushaya Ehad Mafsik et Si'audato, c'est la bienséance, le bon comportement, que le troisième s'interrompe dans son repas, jusqu'à ce qu'il fasse le zimoun sur lui. Ad birkatazam, la chita de Rashi, on verra plus loin, c'est de trancher, et c'est l'opinion de Ashkenazim, de dire qu'il faut écouter jusqu'à Baruchat Hashem Azanet Hakol. Je crois qu'on avait évoqué ce sujet une fois. Da'inu birkat zimoun, ça s'appelle birkat zimoun. On étudiera ce sujet en long, en large, dans Dafmema Var Amud Alef, ça veut dire d'ici un ou deux Shiraori. Vegomer Se'audato, et après qu'il ait écouté le Zimoun jusqu'au bout, il termine son repas. Parce qu'on sait bien que répondre au Zimoun, c'est pas forcément dire le Birkat Amazon. Aval Shnaï, mais deux, sous-entendu lorsque deux sont en train de manger et un a terminé, En Al Emble Afsik, il n'incombe pas sur eux de s'interrompre bishfil à Yahid pour un qui est isolé. Veyamtin à Tchigmeru, et il faudra que lui attende jusqu'à ce qu'il termine. La Gemara, elle avait dit, l'ifnim mishurat dit, les achouvé. Rav Papa, il avait agi de manière zélée, pas d'après la stricte loi, mais au-delà de la ligne de la loi, littéralement, l'achouver pour considérer cette tierce personne, c'est juste de le dire, et de s'interrompre. Voilà donc cette première halakha que nous apprenons dans la Gemara. Alors, c'est Hachem, on fait un petit détour avec les amis pour regarder Shulchan Aruch Siman Resh la halakha ou le ma'azir. Il est marqué dans Shulchan Aruch. C'est l'article 200 du Shulchan Aruch, qui est un article très compliqué,
Nous allons voir la première partie qui reste, Baruch Hashem, assez simple, même si nous n'avons pas peur des difficultés du limoud, mais on va voir que ça reste très clair. Il y a marqué, Dina Mafsik de Levarech, la règle de celui qui doit s'interrompre pour faire le zimoud ou le birkat amazon. Ou Bosh te serifim, il y a deux alinéas, ce Shulchan Aruch. Shosha Shahluk et Han, si trois ont mangé ensemble, et Han Mafsik, Al Korhol Lashnaï. Le troisième devra s'interrompre malgré lui aux deux et répondre avec eux la bénédiction du Zimun. Continuons d'abord la lecture de Shulchan Aruch. Vafil lo ratza, même s'il n'aurait pas voulu en convenir, les afsik de s'interrompre, mais amnim alav, on fait Zimun sur lui. Ben Aone, Ben Eno Aone, qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas. Attention, Kol Shorom et Charm, tant qu'il est installé avec lui. C'est ça que ça veut dire ici. Aval Shnai, Men Haevim, Nafsik, Lehal. Mais s'ils étaient deux, sous-entendu, à ne pas avoir fini pour faire Birkat Amazon, En Haevim, Nafsik, Lehal. Ils ne sont pas obligés de s'interrompre pour répondre aux Zimoun de cette tierce personne. Ve'ilkar, c'est pourquoi en hiyuv zimun hal ad sheitratzu lehafsik lehal ulvarech. Écoutez bien, c'est très hachouf, c'est pourquoi l'obligation du Zimoun n'incombe et n'est réelle que lorsqu'ils seront d'accord de s'interrompre avec cette tierce personne et faire le Zimoun. Et si il est un peu lourd, et lui il voit qu'il ne s'arrête pas, eux ils n'avaient pas envie parce qu'ils ont prévu encore de ne pas faire le zimoun, ils voulaient rester tranquilles, et lui il a fait le zimoun sur eux, il n'a rien fait. On va voir bien sûr les mots de Mishnah Brura sur cette partie. Et si Behemet, lui, il essaye de les convaincre, mais ils ne veulent pas. Af ou eno rachai levarech velatzet lashuk, il n'aura pas le droit de faire le birkat amazon et de sortir à l'extérieur. Quand on dit lashuk, ça veut dire à l'extérieur, ça ne veut pas dire au marché. Achigmer ou ashnaim izamen alehen, jusqu'à ce que les deux terminent et qu'ils fassent le zimoun avec eux. Sheare. Quelle est la raison pour laquelle il ne veut pas sortir? Car voilà que Kvar Nit Hayev ou Bezimoun, il a déjà eu l'obligation du Zimoun qui incombait sur lui. Comment est-il possible qu'a priori il puisse faire Birkat Amazon sans le Zimoun? Voyons sur ce Seri de Shulchan Aruch l'opinion du Mishnah Brura. Remarquez dans Mishnah Brura, nous sommes donc de retour à la page donc, du début du Sinai. Cela veut dire qu'ils ont commencé à manger ensemble et deux d'entre eux, les trois ont terminé le repas. Et ils ont envie de faire Amazon. Ils ont envie de faire Birkat Amazon. Il est obligé de s'arrêter malgré lui. Tu l'as? Cela veut dire ça dépend pas, la chose ne dépend pas de sa volonté, mais l'autre c'est là, c'est qu'il s'est de trouver là un autre. S'il a envie de s'interrompre dans son repas et de répondre, et la mine dit, mais d'après la stricte loi, il est obligé de répondre. Kevan Shem Rabbim Nekdo, puisqu'ils sont en majorité contre lui, contre ça veut dire en face, ils n'ont rien fait de mal. En Sedechim Lantina Alav, alors ils n'ont pas eux à attendre, c'est lui qui doit s'interrompre. Nous disait le Shouhan Aruch qu'il répond ou non, c'est Ktan Gimel. Cela veut dire Shafal Pichen que malgré le fait que lui ne répondrait pas, Emyotsimide Zimun, eux seraient acquittés quand même de l'obligation de Zimun, car il se tient là-bas, Veshomea, et qu'il entend Vechola Anot, et que Behemet, il peut répondre. Il aurait pu répondre. C'est bien juste dire que s'il était à l'extérieur, alors c'est exclu. Comme plus haut à l'article 184, qu'on avait étudié une fois, c'est qu'il faut qu'il soit là présent. Ou Miou, cependant,
ou lui qui n'a pas répondu, Bevadaï Anoyotse, c'est sûr qu'il n'est pas acquitté. Elem Kenifsik Vernaimae, sauf si Behemet il avait répondu. Autrement dit, il existe premièrement l'obligation qu'il a de répondre et le droit que l'on a même s'il ne veut pas répondre. À partir du moment où il est présent de faire le zimoun sur lui, même s'il ne répond pas non Yotse, par contre lui il ne peut être Yotse qu'à partir du moment où il répond. Il y a marqué ici Aïf Katan Dalet. En Hiyub Zimun Hav. Alors là, c'est le grand Hidush que Shulchan Aruch dit. C'est qu'à partir du moment où tous les deux, on n'a pas décidé de terminer, de manger, en tout cas de faire le Zimun, l'obligation de Zimun n'incombe pas. Alors il dit le Mishnah Brura, la Shon Megumgam Ktsat. Le langage est un peu inadéquat. Megumgam, cela veut dire quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas juste. Si nous regardons le petit hot guimel qu'il est ramené ici, qui renvoie au Shara Tzion, le Shara Tzion qui est un des trois ouvrages du Chafetz Chaim sur le livre qu'on appelle Mishnah Brura, hein, il explique des ah yuzimun har me'et halat se'uda, car voilà que l'obligation du zimun incombe et est réelle à partir du moment où on a commencé la se'uda. Kanal besiman kutzadi guimel se'iv dalet. Comme Behemet, on le fonde dans le Shulchan Aruch à l'article 193 alinéa 4 de Shulchan Aruch. Autrement dit, quand Shulchan Aruch nous dit qu'à partir du moment où on n'est pas tombé d'accord de faire Zimoun, le Zimoun n'est pas réel, l'obligation de Zimoun n'incombe pas, ce n'est pas vraiment juste. C'est un langage qui est ambigu et qui est inadéquat par rapport à ce que Shulchan Aruch lui-même a dit dans l'article Tzadeh Gimel de Shulchan Aruch. Nous dit le Mishnah Brura, c'est Aïf Katan Eidi Mishnah Brura, et non Rachay, on n'a pas le droit, il n'a pas le droit, cette personne isolée. Abah Holek Alzi, très important de savoir cette halakha du Bah. Oui, on a la page 206, dans Mishnah Brura, à la sixième ligne, est marqué Enor Rachay. Abah Holek Alzi. Le Bah, il n'est pas d'accord avec ça. Vedat, et son opinion est De en hiyub zimun har ad sheigmeru kol ha-shloshet se'udatam. C'est que tant que les trois n'ont pas terminé, alors Behemet, ils ne peuvent pas. Mais alken kodem shegavro shnaim, rashay ha-ehad levarech lifne atzmo velatzet. Il dit le Bah, puisque c'est uniquement si les trois ils ont terminé de manger que l'obligation du zimun est incombe sur eux, alors celui qui a fini de manger et que lui, il voit que deux autres n'ont pas terminé, il aurait le droit, d'après la stricte loi, de faire Birkat Amazon et de partir. Et ce qui nous dérange, c'est pas que le Bah, il le pense. Parce que si le Bah, il le pense, il le pense. Mais Shulchan Aruch, il est holek sur lui. Il n'est pas d'accord avec lui. Mais comme le Magen Avraham, qu'il est un des grands décisionnaires qui figure sur les éditions de Shulchan Aruch, il a rapporté la halakha ou le maaseh, l'opinion du Bah, alors là, Moraï Verabotai, le Mishnah Brura, il est embêté. Parce que ça voudrait dire que ça serait porte ouverte, si on croit les mots du Magen Avraham citant le Bah, que tant que les deux n'ont pas terminé de manger, toi t'as terminé, tu pars à l'anglaise, t'as bien mangé, t'es pas obligé d'attendre pour faire zim. Nous dit Mishnah Brura, Aval kol ahronim holkim alav. Mais tous les décisionnaires ne sont pas d'accord avec lui. Et leur opinion, elle est comme Shulchan Aruch. Que quoi? Que c'est à partir du moment où ils ont commencé même de manger ensemble, il incombe et il y a une réalité sur eux immédiatement de l'obligation du Zimun. Chez Gamar Se'udato Kodem, et aucun d'entre eux qui aurait singulièrement terminé le repas, Rachaï Levarech Bifne Atzmo Elatzet, aurait le droit, en aucun cas, de faire la bénédiction du Berkat Amazon tout seul et de sortir. Miou, et là, Behemet, il y a des réserves émises, et c'est très important de les connaître. Miou. Ima dava, ima ya davar nahutz meod.
si jamais il y avait quelque chose qui était très urgent, très compliqué à laisser. Shenogea le'efsed mamon vechadomé, qui toucherait par exemple à une perte d'argent ou quelque chose de semblable. Efsha sheyesh le'akel le'ehad levarech bifnei atzmo, il est possible qu'on puisse permettre à un d'entre eux de faire Birkat Hamazon pour lui-même, Kodem Shegabro Hashnaim Seaudatam, avant même que les deux autres ne terminent, Velatset et sortir. Ah! Cependant, et c'est là où nous allons retenir un peu la remarque, ce que tu voulais dire, ah! Cependant, Beofenze, dans ce cas de figure-ci, Toviotel Shashnaim Itna Agubezel Ifnimi Shurat Adin, il serait donc préférable que les deux autres qui ne sont soit pas obligés de s'interrompre agissent à ce moment-là d'une manière au-delà de la stricte loi, pour s'interrompre au sein même, en plein milieu de leur repas, afin qu'ils fassent imoun sur eux. Pourquoi? Parce que sinon, les maasés, ils vont perdre le zimoun. Regardez le Siaif Katan Zain en bas dans le Shahar Atsiyun à la troisième ligne, dans la deuxième moitié de la ligne. La raison pour laquelle le Mishnah Brura nous dit que dans un cas pareil, lui, de toute façon, il a des bonnes raisons pour partir. Il faudrait s'arrêter pour répondre avec lui, nous dit le Shahar Atsiyun. Ehab, première raison pour laquelle c'est comme ça qu'il faudrait faire, Dea Bebahag. Car voilà que l'opinion du Baal Ilchot Gedolot, Ve'aitiko Asmag Ver Beno Yeroham, et il a été rapporté par le Smag Ver Beno Yeroham, Mashma, il se comprendrait, Delifni Mishurat Ad-Din, Tsarich Tamid Lafsik, Afshnaim Le'ehad, qu'il serait recommandé toujours normalement de devoir s'interrompre deux pour le troisième. Ve'gam, Belav Achi, et la deuxième raison, c'est que voici que, sans même arriver à cela, voici que s'ils ne profitent pas de sa présence ici, alors ils vont devoir chercher un troisième de l'extérieur, qui va pouvoir s'associer avec le Zimoun. Autrement dit, ça veut dire aussi qu'ils vont devoir le donner à manger. Ils vont devoir, d'après les Sfaradim, donner absolument du pain. Kedilael, comme ça a été Bémet, a pris plus haut. Ve'imken, et si c'est ainsi, plutôt qu'aller chercher quelqu'un d'autre, il est encore préférable qu'ils s'interrompent eux avec ce troisième avec lequel ils ont mangé, qui est déjà présenté, prêt à répondre avec eux, donc à les inviter aux Zimoun plutôt que de rechercher par ailleurs. Le pisquet chouvot, il amène la réponse au problème que tout le monde a quand on va dans des soirées et que là-bas, on se dit, je reste 15 minutes et je m'en vais, mais on aimerait bien, pour les 15 minutes, manger un pain avec des salades, du poisson, de la viande, si en 15 minutes on arrive, et partir. Est-ce que c'est permis ou pas? Du Mishnah Brura, chez nous, il y aurait trois conditions. Premièrement, qu'il faut que ce soit à cause d'une cause qu'elle est très urgente. Deuxièmement, c'est que Béhémeth, il ne soit pas du tout à la fin du repas quand je m'en vais. Troisièmement, ça n'est pas une permission large puisque c'est marqué Efcha. Peut-être que. Le conseil que donnera Moshe Feinstein dans une grotte Moshe, c'est que la personne, elle est la Kavana, et quand on dit la Kavana, il est toujours meilleur de le dire, avant de commencer à manger, de ne pas être mitzaref avec eux. Auquel cas, lui permettrait qu'à partir du moment où tu n'es pas mitzaref avec eux, tu ne t'ajoutes pas, conjointement, tu ne te mets pas à manger avec eux, alors ça marcherait de ne pas avoir d'obligation de zimoun. Là-dessus, il y a la koula, mais il y a aussi la houra. C'est que des fois, quand tu t'assois pour 15 minutes, tu rencontres le meilleur ami, ou bien tu rencontres le meilleur traiteur. Enfin, il y a toujours une bonne histoire que les marasseurs de rester 15 minutes, tu restes une heure ou deux heures. Et bon, il ne faut pas rester comme il a dit notre ami, au point que les deux autres, ils s'en aillent et pas toi. Mais les marasseurs, si tu es resté tard, alors quoi? D'un côté, tu aurais pu partir quand tu veux, mais de l'autre côté, alors quoi, les deux autres, eux, ils aimeraient faire Zimoun avec toi, mais ils peuvent ou ils peuvent pas. Alors à ce moment-là, ils auraient normalement l'obligation de te demander de remanger un kazaï à Daïta de Achi, en ayant la conscience et l'intention de s'ajouter ensemble aux Zimoun,
Parce que sinon, ben, de la même manière que partir quand tu voulais, tu aurais pu parce que tu n'es pas considéré comme ayant mangé avec eux. De la même manière, quand eux ils veulent faire Zimoun, ils ne pourraient pas le faire avec toi sans que tu manges un morceau en ayant le Zimoun. Quoi qu'il en soit, premier éther, c'est l'éther de Ramoshe Feinstein, c'est que quand on rentre et qu'on se met à table, on a la kavana de ne pas être mitzaref le Zimoun. C'est un éther que l'on doit connaître, c'est très important. Étant donné que c'est un hidouche, car Ramoshe Feinstein dit, alors, il y en a qui disent que pour ne pas s'appuyer là-dessus, il sera préférable, dans la manière avec laquelle on consomme le premier kazaït du manger, soit de le faire pas au même moment qu'eux, soit de le faire en donnant le dos, soit de le faire sur une table de côté, de manière à ce que dans la manière avec laquelle on mange le premier kazaït, on exprime qu'on n'est pas mitztaref d'être kovéa, de se fixer avec eux sur cette même table. Mais non, les maasés, le Ravi dit, donc le Rav Rabinovitch, il amène ici dans Pisquet Chouvot, que beaucoup de gdolé apostim, de grands décisionnaires, ils permettent, behemet, d'être sommaire, de s'appuyer sur cette permission. En particulier, il dit, quand ça cause de Bitul Torah, ou de Fila Betzibur, ou d'une mitzvah qu'elle va passer. Mais au moins, c'est bien de faire attention que plutôt que faire le tnaï et dire je rentre, je mange ce que je veux, je m'en vais vite, de dire aux deux autres, Rabotai, de toute façon, moi je vais partir. Alors plutôt que je fasse le tnaï de Rav Moshe Feinstein, avec la permission des Gdolé Aposkim, si ça vous dérange pas, je suis un peu lourd, mais dans 5 minutes, je fais birkat. Vous voulez bien qu'on fasse Zimoun? C'est soit ça, soit rien. Behemet, de manière générale, ils vont être positifs de dire que Behemet, ils vont... Je vais terminer tout de suite. Ils vont Behemet être positifs pour pas rater Zimoun de Behemet répondre à ce Zimoun du Yahid. Alors que même si on est dans Shevar Berachot, on est dans Brit Mila, on est dans Sium Maseret, on est n'importe où, à partir du moment où on a une bonne raison de devoir partir, il n'y aurait aucun problème d'être sommaire les quatre hila sur ce tenin. Pour, on va dire, cet halakha dans Siman Rech, Seif Aleph, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen V'Amen.